c'est vendredi 1er octobre qui s'est passé là que Martine Moïse débarquait dans l'aéroport au Cap-Haïtien pour l'entrée en Haïti. C'est pour répondre à une convocation du juge Aurélien qui était convoqué Martine Moïse pour l'entrée en Haïti pour te venir par explication sur ça te connaît sur l'assassinat de Marilyn Jovenel Moïse. Martine Moïse était débarqué dans Aswen aéroport à côté une foule monde t'a accueilli. Et jusqu'après, il était débarqué dans le salon diplomatique aéroport au Cap-La, côté il était blâmé quelques mots et pour le présenter devant les journalistes, mais qui s'est déclaré. La caille, c'est la caille. Je retourne pour plusieurs raisons. Je retourne parce que la femme est retournée. Je n'ai pas de carité de yon encore. La caille était manquée. Je retourne parce que la femme a passé une minute de recueillement sous ton président. La femme a fait une fois parler pour. Nous regardons comment le pays a été là, tête en bas, qui s'est fait. Je retourne parce que je me sens que je me manque tout pour accueillir que je veux. Je m'excuse auprès de vous parce que voilà, je me prévois pour 10 heures depuis le matin. Mais malheureusement, avec un petit problème, c'est que je suis arrivé. Grand pile de monde qui n'a pas arrêté, malheureusement, y aller. Mais grand pile de monde qui a dit que je suis arrivé. Je m'excuse auprès de monde qui est allé ou qui n'a pas arrêté. Je comprends ça, mais. Il faut que dans le département, je retourne parce que quand je viens plus tard, il faut que je parle avec eux, il faut que je mange avec eux, il faut que je dorme avec eux. Parce que le programme que je fais, je vais commencer à faire à travers la fondation. Ça veut dire aider les gens à planter café, aider les gens à planter cacao, côté de l'eau qui a usé, aider eux avec du riz, maïs, pois. Parce que si pas de manger, il y a plus d'autres bagages qui ne peuvent pas faire. Martine Moïse Patrick était là, le samedi 2 octobre, il débarquait dans la ville de Jérémy, dans Ansouet. Côté une grande foule population était à l'accueil, il était accompagné de quelques gardes de corps culiens, gardes de corps étrangers, et puis quelques gardes de corps haïtiens. Donc, il débat quelques mois à la population. Côté Martine Moïse déclarait que les vignes pour le travail pour le peuple haïtien, et son seul bah, il a demandé, c'est justice pour Marilyn. Mais m'a dit tout le monde, moi pas venu pour vengeance, moi pas venu pour revanche, moi venu pour justice. Justice pour le président Jovenel. Justice pour le président Jovenel, justice pour le président Jovenel. Je vais vous donner un appel, je vais vous là, je vais vous là depuis le matin. Je vais continuer ça. Mais ne nous pas, 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 nous donc continuez à demander parce que ça a vraiment pour nous stabilité. Je vais vous là depuis le matin, nous attendons, nous ne pas attendre nous pour longtemps. Visite Martine Moïse dans la province pays d'Haïti, particulièrement au Caï, au Cap, dans Camperin, montrait bien que Martine Moïse commençait à faire mieux comprendre que Camperin a commencé pour lui-même, l'a montré qu'avec la population, il y a pile monde derrière elle, et il est là pour capable aider eux. Non seulement pour être capable de réconforter, mais capable d'aider également. Pour nous dire également que Jovenel Moïse, pendant tout déplacement, il était toujours fait avec Mme Nidéli. Côté Martine Moïse, il était en contact direct avec la population, ça, qui était toujours apprécié. La population qui était accompagnée Martine Moïse, là, pas de suspens à prier. Yo tué papa, n'a voté maman. C'est ce slogan ça qui était dans la bouche tout le monde qui a suivi Martine Moïse, quel que soit côté le dépassé. Le dimanche 3 octobre, la Martine Moïse débarque au Caï. En pire, on commence à rassembler pour y courir derrière Martine Moïse avec même slogan ça. Entendez qui ça, Martine Moïse, te fait mieux comprendre. Quand on commence, nous ne pouvons pas l'arrêter parce qu'on ne pas qu'il doit l'arrêter. On va faire la fête commencer. Président, on est à nous. Je viens de vous voir un avertissement par M. Politicien Oudredio. Pour être capable de prendre le pouvoir, c'est mettre les bottes dans le pays et commencer à faire campagne. Et c'est ça, Martine Moïse, à suivre ça que Marie te dit pour commencer la campagne dès maintenant, pour que demain, si Dieu veut, capable de participer à l'élection et gagner les élections. La seule question qui reste à poser, est-ce que Martine Moïse est capable de diriger le pays ça dans l'état que l'il y a là?